Et ballon pour Toflib dans le cœur du jeu. Toflib, il a plusieurs solutions. Il va frapper Timothée Toflib. Et Toflib qui peut passer, il y a Pagery devant lui, il va plutôt centrer, c'était vers Guivelavogui, la déviation de la tête, il y a Martin au deuxième poteau pour remettre ce ballon. Mi-temps au stade Fred Aubert, 0-0, pas de but entre Saint-Brieuc et Villefranche, possible. Ce centre-là encore, la tête de Guivelavogui. Du côté de Villefranche, ils vont insister, hein. Ils sont au haut du classement, ils ont des ambitions aussi, ah oui. Attention à la perte. Et encore avec Timothée Toflib, il y a Elisor à ses côtés. Toflib qui va aller à la frappe et Patier qui sort les siens. À l'arrivée, Elisor qui peut-être écarter, qui peut aussi provoquer. Trouver Toflib sur le côté droit, la frappe de Toflib. Elle est contrée celle-là aussi. Allez, Romars pour les briochins sur le côté gauche en repassant dans l'axe. Hey, il a tenté une passe astucieuse là-bas vers Adam Gianni. Ça va profiter, ouais, Sagna à l'entrée de la surface. Sagna qui va tenter de percer, temporiser, centrer avec la tentative de Cizan. Oudjani qui frappe. Le super retour. Ah, le très très bon retour. Cousse maintenant, il y a Martin, ouais, qui a pris le côté droit, un peu moins en vue en deuxième mi-temps. Martin, mais qui là, elle s'est fait oublier. Le centre ensuite. Et Damas qui ne peut reprendre ce ballon, en tout cas qui ne peut trouver le cadre. Et attention à Matteo Romars, le centre, c'est pas donné, voilà, mauvaise dans la relance, bonne trajectoire. Il s'en sort bien, Dembélé. Le ballon de Bludo dans l'espace pour Remars qui va très vite. Et l'ouverture de Remars pour tenter de centrer ensuite, mais directement dans les gants de Jean-Christophe Bouet. S'il se retourne, il va amener du danger. Injai, Guezoui qui va tenter la volée, la barre. Pourquoi pas Sagna côté droit. La réplique des briochins dans la surface de réparation. Sagna sur son pied gauche, la frappe. Sur la fin de match, ça pourrait être logique. Dabas l'a percé, il l'a percé toujours. Ouvert. Et encore la frappe au-dessus de Dabas. Est-ce qu'ils ont la capacité d'aller chercher? Oui. Avec Oudjani qui va percer, accélérer, décaler. Sagna dans la surface, le centre et Papin. Soit expérimenté, soit très massif. Sagna pour percer encore. Frappe joué. De Sagna. Jean-Christophe Bouet qui détourne. Amadou Sagna pas prêt à recevoir, du coup c'est une dernière situation Elisor, pour Villefranche. Pour Adrien Pagery peut-être, à moins qu'il le trouve. Dabas, la frappe de Dabas et la barre. Deuxième barre pour les Caladois et derrière Patier, in extremis qui vient sauver les siens avec son défenseur qui s'est illustré. Et dans l'autre sens, c'est le Marer. Un peu chaud entre tête de bon enfant et Amadalé en position de frappe peut-être. Il va se décaler, se mettre sur son bon pied, trouver Papin dans la surface, frappe de Papin. Le ballon à côté. Fin de match, beaucoup d'occasions mais pas de but dans ce Saint-Brieuc-Villefranche 0-0 entre les deux équipes.